Et salut les amis, c'est Maxina, sur ton poste des aventures de Mass Effect Andromeda. Nous nous retrouvons donc pour la suite, bientôt j'espère la fin de cette planète. Je n'en aurai plus pour longtemps, il n'y a plus que quelques petites quêtes secondaires ainsi que la quête principale. Et je vous avoue que là, plus je joue et plus j'ai de mal à choisir entre le collectif et les insurgés. Là, jusqu'ici pour moi, les pas photo, c'était le collectif. Mais plus je joue, plus je me renseigne un petit peu sur les insurgés et plus je me dis que finalement c'est pas trop mal quoi. Voilà, donc j'hésite encore beaucoup. Le point d'intérêt, je m'en fous. Foutez-moi la paix. Je vous le laisse, votre poubelle. Personne. Le rendez-vous doit être déjà terminé. Jetons un coup d'œil. Zia a peut-être laissé quelque chose. Hé, Ryder, il y a quelque chose de caché ici. On doit bien pouvoir l'ouvrir. Sam ? Le verrou est commandé à distance. Peut-être par quelque chose dans les environs. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. On dirait un fil. Ouais, j'ai bien fait de prendre le nomade en fait. Là, je crois que c'était là. Ouais, voilà. C'est le datapad. Eh bien, tape. Non mais... Putain mais... Attends. Ça commence à me briser. Ok. Ça va vite me gonfler. Ça va très vite me gonfler. Décidez-vous, mais alors très vite, parce que je vous jure que je vais vite m'agacer. À tous les coups, attends, il fallait activer un truc là-bas, c'est ça? Pour ouvrir la porte, justement. Oui, voilà, c'était bien ça. D'accord. Voyons ce que ça donne. Ça a fait quelque chose. Voilà. Joli travail. Reyes, j'ai trouvé un datapad avec ce qui ressemble à des coordonnées. C'est sûrement là que Zia cache la cargaison. Elle a dû laisser ça pour son acheteur. Ça paraît bien compliqué. Et aller dans un magasin, ça se fait plus? Sloane prend une part de toutes les ventes officielles de Kadara. Si on veut éviter ça, il faut savoir se montrer créatif. Vous avez trouvé quelque chose de votre côté? Le Galarien est un reseller, sans lien direct avec le collectif. Je suppose que Zia lui a demandé de lui présenter des acheteurs potentiels. La prochaine piste, c'est ses coordonnées. On se retrouve là-bas. Rejoindre Yes aux coordonnées. Il est où? Là. Quel con... Putain! Ah, ça m'agace, ça! Quand on n'est pas en combat! La vache, on lui a pas parlé, à votre machin. Voilà, c'est bon, je suis suffisamment éloigné, là. Non, mais... Ah, c'est m'agace! Je vais péter un câble, si c'est pas déjà fait. C'est bon là? Faut que j'aille à l'autre bout de la map? Merci. Nom de Zeus. Ah, oh, bon. Hop là. Là. Sans nous. Je connais ce coin, on l'a déjà vidé. C'est bon? Oh. C'est vide. On arrive trop tard.
On dirait que l'acheteur de Zia est déjà arrivé. Ou alors c'est bien une mise en scène, oui. Ou alors c'est qu'il n'y a jamais eu de cargaison. Bravo. Je savais que tu finirais par comprendre. Zia. Tu n'as jamais pu résister à l'appât du gain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en veux toujours plus. C'est pour ça que tu n'as pas d'amis. Tu es égoïste. Oh, difficile de la contredire. Elle a pas tort, là. Aïe. On dirait que tu perds la main, Reyes. Dans mon souvenir, tu étais un sacré beau parleur. Enfin, jusqu'à ce que tu me largues. C'est pas pour ça, toute cette histoire, quand même. Bien sûr que non. Tu prends tous les bons boulots de Kadara. Et ça n'a pas attiré que mon attention. Et alors? Le syndicat des contrebandiers du coin s'est réuni et a voté qu'il fallait me mettre hors course. C'est à peu près ça. Ah, et merde. Amenez-vous. Ah, bon. Préparez-vous au combat! Voilà. J'ai tué ton ex, tu m'en dois une. Et voilà. Reyes. Te casse pas comme ça, Reyes. Reyes, je te parle. Ah, merci. Je savais que j'avais pas la cote, mais je pensais pas que les autres contrebandiers finiraient par s'allier contre moi. C'est presque flatteur, en fait. Il risque de recommencer. Il pourrait bien recommencer. Vous vous inquiétez pour moi? Reyes. On se détend. Maintenant, je suis prévenu. Ils pourront plus m'avoir par surprise. Ah, tous ces efforts et pas le moindre crédit à la clé. Le coup classique, ça fait moins de concurrence. Ouais, le coup classique. Toujours la même histoire. M'en parlez pas. Il faut que je nettoie ce merdier. Zia n'était pas un cadeau, mais je vais quand même pas la laisser comme ça. D'accord, c'est gentil. C'est Mimi. Allez-y. D'accord, bon je m'en vais alors. Mais non. Ah. Ah merci. Tiens une dépouille. Merci. Alors y a plus de quête. Y'a plus de quête. Qu'est-ce qu'on fait? Kadara. Trouver un site pour un avant-poste. Eh ben. Je peux pas prendre un avant-poste. Bon, on va y retourner. Peut-être que maintenant qu'on a fait quelques quêtes avec les autres nouilles, peut-être que maintenant, on sait jamais. Hein. En plus de ça, elle a 90% de viabilité, la planète. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. C'est ça, on leur dira. Non, je ne peux visiblement toujours pas. Je vais bien l'éloigner, tiens, pour le mettre sur la route parce que ça se trouve c'est lui qui bloque. Bah non. Donc là, je suis un peu dans le caca, on a combien? 21 minutes. 21 minutes et je ne sais toujours pas comment on est censé faire pour progresser tout ça. Ok, ça va être quelque peu compliqué là, je vous l'avoue. Parce que là, malheureusement, je n'ai alors mais pas la moindre foutue idée de ce qu'on est censé faire. Je vais retourner en ville. Peut-être qu'il y aura une quête maintenant qu'on a vu Sloan, peut-être qu'elle va nous relancer quelque chose, je sais pas. On va bien voir. Retourner en ville, on va bien voir. Hein. Hop là. Voilà. Les bas-fonds de Kadara. Oui. Hop là. Alors, console, hein, quitter les bas-fonds.
Il va peut-être se passer quelque chose là en revenant ici, je sais pas. Bah non, visiblement. Vers le tempête. Je peux rien faire d'autre que retourner aux tempêtes. Non, mais vous êtes sérieux? Pionnière, vous avez reçu des appels sur le tempête. Écoutez-les lorsque vous aurez une minute. J'ai reçu des appels sur le tempête. Ouais, mais c'est bien joli ça, mais... Mais voilà, ça reste... Hein. Je vais aller voir Sloane, et sinon, bah écoutez, on retourne sur le tempête, c'est peut-être lié. Je sais pas. On verra bien. Notre copain là déjà, t'as rien à nous dire toi, Kaitus? C'est rare que ceux qui tiennent tête à Sloane repartent comme ça. C'est censé me faire peur. Je dis simplement les choses telles qu'elles sont. Quel est votre rôle ici? Vous êtes le bras droit de Sloane? Elle me surnomme son Turien de confiance. Je m'assure que tout tienne en place. Vous avez changé de camp comme Sloane pendant la mutinerie? J'étais à bord de l'Arche Natonos. Je n'ai jamais mis les pieds sur le Nexus. Ah! J'ai trouvé des rescapés du Natonos sur Avarl. Ils sont vivants? Sûrement grâce à Rix. Vous connaissez Avitus? Nos routes se sont croisées. Le collectif a l'air puissant. Le collectif fait des vagues à Port Kadara. Les insurgés ont un plan pour garder l'avantage? Oui, ne pas le divulguer à la première venue. D'accord. Souvenez-vous... Vous, Sloane, vous avez l'air proche. Et alors? Non, rien. Je me demandais juste pourquoi. On s'est rencontrés dans la citadelle. Elle m'a collé un pain quand je lui ai proposé un verre. Vraiment? Non. Mêlez-vous de vos affaires, pionnière. D'accord, bon, finalement... À plus tard, Kaitus. Tu m'as l'air moins jovial et moins amical que je le croyais. J'ai l'impression qu'ils font exprès. L'Oblivion, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, c'est moi qui le produis. Pourquoi? C'est dangereux. L'usage que vous faites de ce médicament est malsain. Ah, vous avez parlé à Nakamoto? Je ne fais que répondre à la demande, vous savez. Enfin, ce n'est pas comme si j'avais des comptes à vous rendre. C'est ça. Je vous laisse tranquille. Bien. On va continuer de parler. Espèce de raclure. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ne me prenez pas pour une imbécile. Vous me posez des questions sur l'Oblivion et mon labo est attaqué juste après. Je devrais croire à une coïncidence. J'ai l'idée. C'est ça. Vous me le paierez, pionnière. C'est mon dernier avertissement. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Je vous... Je vais continuer de parler pour voir. Oui? Non. On se casse sur notre vaisseau, on verra bien. Casser les pieds. Je veux dire, c'est des pirates, putain, pourquoi on devrait avoir des besoins d'autorisation de ces mecs-là, bordel? Ils sont pas plus armés que nous, je sais pas ce qu'il vous faut. Putain, virons-les à coups de pied au cul. Oui, d'accord, j'aurais dû passer par en bas. Il me semblait que la porte s'ouvrait plus vite, mais non. Absolument pas. Allez hop, on retourne sur le tempête et on se casse d'ici. De la planète. Alors. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Ryder? Pourquoi cette réunion en urgence? Ça ne vient pas de moi. C'est moi. J'ai reçu une nouvelle inquiétante quand on était sur Kadara. Il y a des tensions à la colonie Krogan sur Eladen. Ça se présente mal. Des tensions chez les Krogan? Sans blague. Je vous ferais pas perdre votre temps avec ça si c'était pas important. Il faut qu'on y aille. Je suis d'accord. Nakmor Morda s'est autoproclamé chef suprême de la colonie. Nakmor, oh putain. Non. Notre priorité, c'est l'Arconte. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Jal a raison. Écoutons-le.
Je sais que c'est frustrant d'avancer à l'aveuglette. Mais il faut qu'on apprenne à s'écouter. Puisqu'on en est aux propositions, j'ai entendu des hors-la-loi sur Kadara parler d'activités dans le système Remav. Sans blague. C'est le système où devait se trouver le monde en or turien. Remav. Il n'y a aucune planète viable là-bas. Seulement un champ d'astéroïdes et des exploitations minières dirigées par des criminels. Il paraît qu'Eladen est pas mal dans le genre. Pleine de charognards qui n'ont rien à perdre. Parfait. Botter le cul à des pirates, ça, je sais faire. Mais maintenant qu'on a le transpondeur, on ne devrait plus tarder à localiser le vaisseau de l'Archonte. Restons ouverts. Oui, restons ouverts. Notre objectif, c'est de nous installer ici. On ne sait pas ce que le destin nous réserve. Bref, transmettez les coordonnées d'Eladen et de ce monde en or turien potentiel à Kalo. Mieux vaut que toutes nos options soient opérationnelles. Et... j'ai pas dit que la réunion était terminée et que vous pouviez disposer. La réunion est terminée. Vous pouvez disposer. T'es sérieuse? Bon, holoconférence. La personne a discuté. Très bien. Allez, sur un, dans le système de Eladen. Ok, donc il va falloir un peu plus discuter. Okidoki. Trouver un site pour un avant-poste sur Kadara. Mais oui, mais moi je veux bien, mais... Je suis dans le module d'évacuation, comme d'habitude. D'accord. Pidjack. Tu ferais mieux d'éviter Kadara. Tu risques de finir dans une autre cage. Ou en ragoût. Ces bestioles font de bons casse-croûtes. Pratique pour l'entraînement au tir aussi. Oui, je m'en souviens de ça. Les pauvres Pidjack. C'était des cibles. J'en ai tué plus d'une centaine juste pour ces trucs-là. Alors, gestion de PVA. On a deux points à utiliser. Déjà, on récupère tout. Merci. Alors, je sens que c'était dans le commerciaux que je voulais faire des trucs. Capacité, comment de la capacité de l'inventaire. La capacité de l'inventaire. Attends, c'était pas du tout ça, je crois que je voulais améliorer les prix de la vente des achats. Disponible apporte des crédits. Attendez, je vais d'abord me réfléchir sur ce que je voulais faire, je sais plus ce que c'était. Tout oui. Recevoir les armes et la fin de mission de la PEG. Non, c'était pour celui-là. Capacité commerciale, voilà, on améliore l'inventaire et on améliore davantage les capacités de l'inventaire. Voilà. Ça, c'est fait. Le groupe d'assaut. Comment tu vas, Québec? T'as réussi? Ah merde, échec. Bon, tant pis. Envoyer un groupe d'assaut. 74%, c'est parti. Jal? Pardon, je voulais pas vous faire peur. Hein? Je n'ai pas eu peur. Une seconde. Qu'est-ce que vous faites? Vous semblez bien occupé. Quand je travaille, je suis concentré sur ce que je fais. Et j'oublie mes soucis. Si ça vous aide, c'est bien. J'aurais besoin de vos conseils. Je fais des cadeaux pour l'équipage. J'ai une liste. Des cadeaux? Est-ce que les Turiens aiment la poésie? Pour Vetra, j'écris un poème que je graverai sur... Je ne sais pas encore. Ça vaut le coup d'essayer, c'est risqué... je suis pas sûr qu'elle soit très fan de... Ça vaut le coup d'essayer, c'est risqué, je dirais. Elle est turienne. Elle préférerait sans doute quelque chose de plus... concret. Je pense pas que la poésie soit dans ton... C'est bon à savoir. Je vais y réfléchir. Mon robe jean semble plaire à Liam. Je pourrais lui en faire un. Ah bon? Les Krogan aiment les couteaux. Je pourrais fabriquer une dague de cérémonie en Gara pour Drac. Ah, excellente idée ça. Personne ne refuserait un si beau cadeau. C'est surtout... décoratif. Ah oui, mais non, merde. Vous en voulez une? Il faut que ça serve. Jal, ça fait beaucoup de travail tout ça. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous parais sans doute confiant et compétent. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas ce que je ressens. Moi, je vous trouve formidable. C'est... C'est vrai? Vous me faites rougir. Ça se voit pas. Ma famille est célèbre. Notre lignée est respectée, et j'ai beaucoup d'ancêtres qui ont accompli de grandes choses. Je n'ai jamais été comme eux. J'ai tant de frères, de sœurs ou de cousins plus âgés qui ont tout réussi. Je n'essaie même plus de les imiter. Je comprends. Merci de m'avoir écouté. Vous n'êtes plus dans l'ombre de personne ici. Je crois en vous. Vous avez besoin de quelque chose?
Je peux arrêter ce que je fais. Non, c'est bon. Voilà. Alors, avec Jal, c'est fait. Ok. On va donc voir les autres. Cora, oui, non, elle est pas... Oui. Elle est pas là. On va aller voir ici. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnier. Ouais, je sais, c'est justement ce que je voulais aller voir. Les chiffres, le signal... Ah, ça y est, enfin, putain. J'ai enfin une piste concernant la position de la recherche. Ok, accès de réception, et on archive. Seed. Je me suis agrémenté de Seed. Elle pourrait parler à sa urgence. Je vais avoir besoin de vous passer me voir dès que possible. Vetra. Ok. Axul. Moshe. Écoutez, assez de temps. Nous pourrions arriver à le raisonner. J'ai organisé une rencontre à mon laboratoire sur Araya. Merci de m'en raconter. Ok. Putain la vache, décidément, j'ai tout le monde qui me parle. Reyes. Merci. Et Rocker, je vous donne une fiche de changer. Appelez-moi quand vous aurez une minute. Reyes. Ok. De nouveau sur le Nathanos, il paraît que chez Charania, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Ok. Il faut le diplomatique avec Kai. Lorsque vous avez quitté votre ancien foyer, ne pensez pas... Vous avez été meilleur relation plus grande sont nos chances d'obtenir l'arrêt de la colonisée. Ok. La charge de revanche, c'est l'heure. Je pourrais vous parler de mon ami Senji. Régis de savoir ce qui se souviendra de lui comme dans mon gloria de cette d'intérêt, je vais avoir les révoltes du Nixus venir. Ok. Erreur invitation. Je vais faire vite en informer que mon vieux ça fonctionne. Excellente nouvelle. Je vais sur Kadara. Oh putain, le virus n'était que la première étape. Précieuse dans la justice. Ok. Accusé de réception. On archive. Passez me voir d'une, venez sur le pont de l'Hyperion pour discuter d'une affaire délicate. Un truc bizarre, c'est Sidir à la sœur de Vetra, mais tout le monde m'appelle Sid. Je sais que c'est pas... Ok. Une autre interview, bien entendu. Vous faites des vagues. J'ai parlé de vos exploits face à Rekar, je m'en fous. Reyes, encore, putain. Propos de Kadara. Tiens, il vaut mieux ne pas poser. Une liste de conseils suivent là-bas, c'est surtout un bon sens, mais il y a des éléments intéressants. La réunion diplomatique. Crédit de matriarche. Et recrédit, rendez-moi les services et dites rien Vetra, ok. C'était une arnaque de Drac. Et mais du jamais, je sais pas pourquoi l'équipage a adoré cette histoire, elle est horrible, assez. Pour qu'ils aillent, vous ne faites pas ça. Un enfant très têtu qui refusait d'écouter la voix à la raison. Et... Rosemer, un jour, voulant partir à l'aventure, il s'est foutu à bord d'un vaisseau spatial qui partait vers une destination. Elle se retrouva jetée dans l'espace avec un changement d'ordure, évidemment, elle se l'adore. Bon, oui. Enfin, je ne sais pas pourquoi l'équipage a adoré cette histoire, elle est horrible et sert à faire peur aux enfants pour qu'ils obéissent. Vous ne faites pas ça, vous, alors comment... Comment font les humains pour empêcher les enfants de se blesser? Ils se blessent tout le temps. Les enquêtes de suivi pour la soirée film. Ok. Je voulais vous montrer ce que Jean-Galstig m'a envoyé en ce qui m'inquiète. C'est ma revanche par initiative, il se fout de bien de nous. D'accord, Morda, je vais monter une équivalence avec tout seul. J'avais vu un J'avais plus un croyant de se porter devant le Nexus. Ok. Donc ça pue la merde, ça pue la merde. Suivi. Ryder. T'as rien à me dire. Bon, tant pis. Ensuite, Kalo. Il paraît que vous avez trouvé un casier de stase de l'Arche Galarienne. Techniquement, quelqu'un l'a trouvé avant moi, mais oui. Formidable. Je sais que ce n'est pas l'Arche, mais c'est un signe. C'est mieux que rien. Si je peux vous aider dans vos recherches, n'hésitez pas. Ou pour n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Vous êtes de bonne compagnie. C'est une anecdote sur le tempête. Racontez-moi d'autres anecdotes sur le vaisseau. O'Connell, notre con... Pendant deux jours, le pauvre O'Connell. Non, bah, je suis à court d'anecdotes. Qu'est-ce... Si je continue. Ouais, de... d'accord. Allez hop. On va aller voir Pipi. Allez, réfléchis. Il me faut quelque chose
À qui est-ce que vous parlez ? Merde, Ryder ! Annoncez-vous au lieu de me faire sursauter. Je parle toute seule. Me dites pas que ça vous arrive jamais. Vous êtes stressée ? Pas qu'un peu. Je suis pas faite pour être sédentaire. J'aime pas que les autres sachent où je suis, où je range mes affaires. Ah ! Oh la gueule, j'adore. Vous pouvez vous calmer ? Détendez-vous. Vous commencez à me stresser aussi. J'aimerais bien. Je dois me calmer. Quand ça me prenait chez moi, je cherchais une chambre d'apesanteur ou au moins un caisson d'isolation. Un endroit où me laisser aller. Ça me serait bien utile, là. Il se trouve que la gravité peut être coupée dans le module d'évacuation. Vous aurez votre chambre d'apesanteur. Bien sûr. Sam, t'es un génie. Super simple. Ça fera une grosse différence, Ryder. Vous verrez. Et il y a de la place pour deux. J'attendais votre feu vert. C'est ce que je voulais entendre. Et ça devrait marcher. Ah, fermez les yeux. Soufflez. Laissez-vous aller. C'est vrai que mine de rien, ça doit faire du bien. Ça fait du bien. Ryder ? Oui ? Il y a autre chose qui pourrait me détendre. Quoi donc ? On s'amuse un peu. C'est pas grave si vous fréquentez quelqu'un d'autre. Je peux être très discrète. On est juste deux adultes qui s'amusent un peu. Rien de sérieux. Surtout pas d'engagement. Carrément, non merci. Je veux m'engager, moi. Vous me plaisez, Pibi. J'aimerais que ça devienne sérieux. Oh, merci pour l'info. On a le temps. Profitez de cet instant. Et merde. En fait, ouais, non. Je me rends compte que c'est vraiment... que ça fait vraiment une relation plus amoureuse que... que drague. Port Kadara est assez sinistre, non ? L'endroit idéal pour s'attirer des ennuis. Et maintenant, on se lance à la poursuite du vaisseau de l'Archonte ? C'est vraiment une bonne idée ? Ce piste. En l'absence de meilleures idées, elle me paraît excellente. Là, je ne peux pas vous contredire. Rien d'autre à régler avant ? C'est délicieux. J'aime quand vous... Je vous ai... Vous en faites pas, Ryder. Je suis un fan. Ah, ok. Ça bon. Marche. Tant pis, ça sera tout pour aujourd'hui. On a eu quelques scènes, c'est déjà ça. Alors, Pibi, c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On va partir par là et on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent, eux. On a toujours pas vu notre médecin, je sais pas où elle est. Tiens, Drac. Salut, je Gabi. Voulais vous dire, ah non. J'arrête pas de retrouver des miettes sur le comptoir. Je n'entends pas ça. Ah non, Drac. C'est à votre tour de nettoyer la cuisine. Je crois que quelque chose pique dans nos réserves. Quelque chose qui devrait pas être là et qu'on pourrait peut-être faire cuire. J'ai trouvé ce que c'est. Bah tous les coups, c'est mon singe. Un clandestin ? Je vais ouvrir l'œil. On reparlera plus tard. Ça marche. Je vais lui reparler. Salut, gamine. Donc alors attends, merde. Mission Delius, le tempête, voilà. Le visiteur. Merci, voilà. Bon, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ah, Gil. Gil, voilà le transpondeur Kert. C'est avec ça que l'espion recevait ses ordres. Quelles infos il faut qu'on en tire ? L'emplacement de l'émetteur. Ça devrait nous donner la position du vaisseau de l'Archonte. D'accord. Pas de pression. C'est pas comme si c'était important, c'est juste notre meilleure chance de trouver Meridian. De la pression ? J'adore. Heureusement, où qu'on soit dans l'univers, les lois de la physique restent les mêmes. Y a pas 36 façons de communiquer dans l'espace. Voilà, faites un essai. Attendez, vous avez connecté le... Merde, éteignez ça.
Faites gaffe, c'est une ligne directe vers des types qui veulent massacrer tout ce vaisseau. C'est à toi de faire gaffe. Le signal vient du système Tafeno. On tient vraiment à faire ça ? On n'a pas le choix. Je sais qu'on est encore en train de prendre nos marques, mais je ne vois pas d'autres possibilités. Je savais que partir pour Andromède serait dangereux, mais bordel ! Ça, c'est vraiment dangereux. Seulement si on se fait tuer. Mais ça n'arrivera pas ! Happy ending ! Salut Ryder ! Quoi de neuf ? Rien du tout, c'est gentil. Bon, mais tant pis pour toi. Zou, je vais voir ailleurs. Alors, j'ai d'abord examiné les miettes. Lire, scanner un reliquat. Faut que j'aille lire l'email de Pipi. Nouveau projet, j'ai un nouveau projet. C'est beaucoup mieux, Pipi. Je préfère un dernier pensée, je vais rester tranquille. Ok, bon, on va revoir Pipi. Peck, Peck, Peck. Tu es la première étape vers tant de grandes choses, ma belle. Salut. Elle s'appelle Peck ? Ouais, premier essai concluant. C'est pour la différencier de Zap, votre version de combat survitaminée. Sympa comme nom. Zap ? Ça me plaît. Ouais, ça en jette. L'appareil de stockage du caveau sur Eos, c'était la réponse à tout. C'est grâce à lui que j'ai pu intégrer la Relitech que vous m'avez trouvée. Mais nos nouveaux amis les observateurs, c'est que le début. Je bosse sur quelque chose d'encore plus gros. Évidemment. Mais oui, pourquoi prendre le temps de s'envoyer des fleurs ? Faire fonctionner la technologie Relicat, c'est tellement dépassé. Je suis pas du genre à me reposer sur mes lauriers. Alors, que je vous explique. On peut chercher que les signatures des reliquats qu'on a déjà croisés. Mon scanner est branché là-dessus jour et nuit. Mais si j'arrive à intégrer la bonne Relitech, on pourra détecter la signature de n'importe quel reliquat du secteur, même de ceux qu'on n'a jamais vus. Avec ça, mon scanner deviendrait un super détecteur à mystère reliquat. Super ! Votre enthousiasme est contagieux. Le dites pas à Alexis, elle voudra chercher comment vous en guérir. Je suis venue dans Andromède pour toucher l'inconnu. Pour trouver ce que personne n'a encore réussi à trouver. Quand j'aurai perfectionné ce scanner, c'est exactement ce qu'il pourra faire. Tout ce qu'il me faut, c'est trois éléments précis de Relitech. Ça peut se faire. Vous assurez, Peck et Zap sont aussi de cet avis. Pour le moment, j'ai localisé le premier élément. Il est sur Eos. Je vous transmets les coordonnées. Les coordonnées ? Alors, est-ce que tu as autre chose à me dire ? Salut. Vous avez une minute ? Bien sûr. Non. Ça marche. Peck, est-ce que tu as un truc à me dire ? Peck. Tweak, tweak. Oui, évidemment. Le tweak, tweak. Hop là. Alors, ça c'est fait. On n'a plus qu'à descendre en bas. Hop là. Paf. Salut, Ryder. J'ai reçu un message codé de Cid. Elle a trouvé quelque chose et elle voulait nous parler à toutes les deux. Je lance l'appel. Enfin ! Ça fait des heures que j'attends. Alors on t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? J'écoutais les rapports des avant-postes et je suis tombée sur un message concernant des colons disparus. C'est pas rassurant, ça. Je vous le fais pas dire. Ils ont été enlevés. J'ai fait ma petite enquête et je crois savoir où ils ont été emmenés. Un réseau souterrain sur une lune du système Remav. Je crois que c'est une mine Angara laissée à l'abandon. La planète dont vous parlez ne peut pas être considérée comme une lune. On s'en fout. Je t'avais dit de ne pas te mêler de ce genre d'affaires. Je pouvais pas rester les bras croisés. Qu'est-ce qui nous prouve que tes infos sont fiables ? Elles sont fiables. Je lui fais confiance à votre sœur. Pas la peine de perdre plus de temps. Tu vois ? Ça, c'est une vraie pionnière. Par contre, Cid, tu ne dois rien nous cacher. Je vous ai tout dit. Je peux venir ? Je veux me rendre utile. Tu connais déjà la réponse. Ouais, évidemment. T'approches pas des méchants, des armes, des bombes, de la bière Krogan. Tu as bien fait de suivre ton instinct. Mais je veux juste te savoir en sécurité, d'accord ? Ouais, ouais. On est vraiment en poule. Enfin...
Surtout ça qui aurait dû lui faire plaisir. Des céréales riches en sucrose. Alors Vetra, est-ce que tu as un truc à me dire, ma grande? Souvi, je l'adore. Mais ces espèces d'encas verts qu'elle prépare pour la soirée fine de Liam... Disons juste qu'on aurait plus envie de les balancer sur l'écran que de les avaler. Vous avez une meilleure idée? En fait, oui. Cora m'a prêté un code d'accès de l'initiative pour que je retrouve la trace de marchandises de contrebande. Pour résumer, quelqu'un a du pop-corn à Port Kadara et du Graxen, qui ressemble à votre pop-corn, mais en mieux, parce que je peux en manger. Du pop-corn de contrebande? Quelqu'un a traversé des galaxies avec du pop-corn? Sérieusement? Pourquoi pas? C'est léger. Et il y en a qui paieraient un paquet de crédits pour en avoir. Très bien. J'essaierai de mettre la main dessus la prochaine fois qu'on ira là-bas. Vous êtes sérieux? Merci. Un petit plaisir ne nous fera pas de mal ici. Du pop-corn. Il y a vraiment un mec qui a embarqué du pop-corn jusqu'à l'autre bout de la galaxie? Mais vous êtes sérieux, les gars? Kadara va me sauver la vie. J'avais promis à certaines personnes des choses que je n'étais pas sûr d'obtenir. Il se trouve que je vais pouvoir tout trouver sur Kadara. C'est marrant comme tout s'arrange. Je suis simplement soulagée qu'il ne soit pas mort sans le soutien du Nexus. Ce n'était pas facile de jeter des gens par-dessus bord. Mais les dirigeants du Nexus étaient dans une situation critique. L'alternative n'était pas idéale. Perdre quelques personnes ou tout perdre. Je ne vous retiens pas plus. Vous avez sûrement du travail. On pourra discuter plus tard. Je vais continuer de... Vous savez où me trouver. De discuter avec les autres gens. Histoire qu'on finisse bien. Cora, elle a fini de pour son arche à Sari, on va pouvoir fouiller un peu. C'est bon, Ryder. Vous avez réparé la boîte noire à Sari. Quelques vieux codes d'accès, des données récupérées par Sam. On a déterminé la dernière destination de l'arche à Sari. Les coordonnées sont paramétrées. On peut y aller quand vous voulez. Vous êtes prête pour ça? Souvenez-vous du vaisseau d'observation. Ce ne sera peut-être pas joli. Est-ce que vous êtes... C'est mon boulot de gérer les situations difficiles. On a plus que jamais besoin de Sarissa et des Asari. Je vous fais confiance pour les trouver avant les Kertes. Ok, on va lui reparler encore. Pirate, exilé, tête coupée. Port Kadara, c'est le paradis, hein? Et Reyes prend tout ça pour un jeu. Il vous fallait quelque chose? L'arche Asari. Où sont les coordonnées sont paramétrées. On peut y aller quand vous voulez. Vous... C'est tout ce que je peux vous raconter. Ok. Alors, ensuite. Liam, serais-tu dans ta chambre? Tu peux te... Putain, bloqué par un bord, ça m'énerve, ça. Alors, non, y'a rien ici. Quoi? Quelque chose qui aime les céréales a fait son nid ici. Je me demande, on a sûrement de quoi faire un piège pour l'attraper sans le blesser. Dans le centre de recherche, faut vraiment que je fabrique un piège. Je vous ai sérieux? Bah à tous les coups, on va avoir une bestiole qui s'infiltrait dans le vaisseau. Ça varie beaucoup même au sein de notre espèce. Je suis pas sûr qu'il y ait des maisons typiques. La bombe. À quoi ressemblait votre maison? Vous allez me faire pleurer. Ça me rappelle chez moi. On a parlé à Liam un petit peu pour voir. J'attends toujours de trouver la cachette des pirates pour récupérer Véran et ses foutues données que je lui ai passées. Ok, bon, d'accord, ça veut tout dire. On va aller voir Lexi. Vous avez besoin de quelque chose? Pas du tout, très bien. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Oui, oui, allez. Donc ça c'est fait, et bien il n'y a plus qu'à grimper. On va créer ce petit piège, et je vais arrêter la vidéo ici. Centre de recherche, voilà. Alors, recherche, non oui, c'est recherche plutôt. Développement, pas du tout. Développement spécial. Piège inoffensif. Et voilà. Non, on va placer le piège.
piège qui n'attend plus que de la visite. Je vais le laisser voir ce que ça donne. Voilà, on verra bien. C'est là qu'on choque la main de quelqu'un ou un truc dans le genre, ça va être hyper drôle. Bon, enfin, bon ben voilà, les amis. J'espère donc que cette petite vidéo sur Mass Effect Andromeda vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao les amis.